Et yo les petits potes, j'espère que vous allez super bien, je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, vous allez voir, elle est incroyable. Clairement, je me suis trop éclaté, on reprend les vidéos roleplay sur Simple Roleplay, les amis, j'imagine que vous connaissez tous. Donc n'hésitez pas aussi à me dire vos noms et prénoms RP justement dans les commentaires, ça me fera super plaisir de vous croiser dessus. Vous allez voir, j'ai rencontré un petit gamin qui était franchement trop extraordinaire. J'ai eu droit à mon premier ami sur Simple Roleplay et ça franchement, ça me touche au plus profond de moi. Moi, il y a aussi eu des histoires où je me suis fait un petit peu bolosser dans des coins de rue. Vous allez voir, c'est un petit peu chelou. N'hésitez pas en attendant à lâcher votre meilleur like pour le retour des vidéos sur Simple Roleplay. Ça fait trop plaisir, je suis trop content et j'espère que ça annonce du très lourd pour la suite. J'anticipe la question, mais oui, ma calvitie va bien, comme vous pouvez le remarquer. Allez, on est parti tout de suite pour la vidéo. Mais juste avant, si vous en avez marre de jouer roleplay, venez vous détendre sur mon serveur Bazwars qui a réouvert. Vous allez kiffer le mode. Pendant que j'y pense, petit tour des top farmers avant de reprendre l'aventure Simple Roleplay. Ok, alors voyons voir. Déjà, en top prestige, on a Blue, franchement GG à lui. Pareil pour les top niveaux, franchement c'est incroyable. Blue il farm de ouf, top riche aussi. Top Rick, ah il est plutôt en bas. Les points shop, bon bah ça, voilà. Il est toujours dans le classement et franchement 21 heures de temps de jeu, franchement GG à lui. Ok les amis, donc la première étape en s'appelant Jean Macchioli, ça va être de se faire des amis. Parce que oui, Simple Roleplay, c'est bien de vouloir découvrir ça, ok, what the fuck, un petit billard ici. Mais le tout ça va être de se faire des amis. Parce que si on veut vivre une aventure incroyable sur Simple Roleplay, il va falloir se faire des contacts, savoir dans quoi se lancer. Et donc le but de cette étape 1 dans cet épisode, ça va être de se faire des petits potes. En attendant les amis, si vous jouez sur le serveur, n'hésitez pas à me donner votre nom et prénom RP, comme ça peut-être je vous croiserai, ça pourrait être trop cool et on fera des petites actions ensemble. Bonjour, Jean monsieur. Bonjour, vous savez où c'est le dépanneur, la fourrière. Alors là monsieur, j'en sais absolument rien, je suis navré pour ça, je viens d'arriver en ville, je cherche à vivre des petites aventures. Ouais, ah, excusez-moi, mais vous savez, ça veut plus rien dire en 2023, c'est ça. Femme, homme... Ah, moi, je fais pas dans ça, là. Ah, bah, je sais pas, justement, je voulais pas me prononcer. Vous avez un petit numéro? Ah, j'ai pas de numéro encore. Mais je cherche des gens intéressants pour retrouver un premier métier, quelque chose de stimulant, tu vois. Surtout des potes, mais ça... Bah, vas-y, suis-moi, je vais te... Allez, je vous suis, monsieur. Madame, pardon. Madame. Excusez-moi, ça va rentrer, hein. En tout cas, il est beau votre petit t-shirt. Ça, c'est saut tectonique. Merci. Saut années 2000, quoi. Très stylé. Merci. Faudra me montrer aussi où est-ce que je peux changer de vêtements. Hein. Parce que là, ça va que je me trimballe pas en slip, mais bon. Voilà, c'est bizarre ça, madame. C'est bizarre là ce que vous faites. Ça, c'est pas un motif pour l'embarquer ou. C'est un peu chelou quand même, hein. De la prostitution dans un lieu public, ça. Non, c'est du viol, ça. Ouais, c'était du viol. C'est vrai qu'il m'avait pas demandé mon consentement. Votez Paul pour le maire. Allez, monsieur. Monsieur l'agent, moi, je voudrais déposer plainte. Il m'a touché sans même me demander. J'ai pas envie d'en mets derrière le dos. Madame. Mets derrière le dos. Et vous, là, comme ça, vous êtes arrivé, vous êtes mis accroupi devant moi, là, à vouloir me faire des choses un petit peu bizarres. Sans mon consentement, en plus. Non, c'est bizarre, monsieur. Attends. Contre le mur. Allez, contre le mur, ça va partir en garde à ça. Je poser une question. Si tu réponds, t'es libre. On est d'accord ou? Ouais, ça me va, c'est un bon arrangement, ça. Une question. Que madame, elle n'a pas l'air très méchante. On est d'accord. Attention à ce qu'il va te dire, c'est très très méchante, elle est gentille comme tout. Alors, est-ce que t'as les crampetés? Hein? À paille, t'es libre. La vie de mer, t'es libre. Allez, c'est bon. Merci. Allez. C'est un bon. C'est quand même n'importe quoi ce qui se passe. Attends. Voilà ma première expérience, les amis. Hein. Un policier qui bug, qui arrive pas à enlever les menottes de quelqu'un. Oh là là. Allez, j'en ai vu assez. Bonne journée. Hein. Oh là là, mon dieu. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Bon, je vous rassure, dans tous les cas, ça va être un RP qui va être vachement fun. Il y a de grandes chances. Hein. Bonjour tout le monde. Où vous allez? Il y a pas un petit curieux qui voudrait me faire découvrir la ville, là, me dire un petit peu ce qu'il y a d'intéressant à faire ici, qu'on devienne des amis, qu'on crée des amitiés, qu'on fasse des choses de fou. Il fait son examen de police, là, il veut se concentrer. Ok, bah, il y a pas de problème, monsieur, en tout cas. Merci pour l'accueil, ça fait plaisir. Passez une bonne journée, hein. Et Inch'Allah, tu rates ton examen. Moi, ces premières minutes sont incroyables quand même, les amis. Hein. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, hein, parce que là, franchement, ça donne grave envie de faire plusieurs épisodes, clairement. Ok, on va essayer d'aller voir justement au niveau de la police s'il n'y a pas des petites choses à faire. On va se faire quelques contacts, des petits amis qui pourraient nous orienter un petit peu dans cette ville. Excusez-moi, monsieur le dépanneur. Monsieur le dépanneur. Bonjour, monsieur le dépanneur. Excusez-moi de vous déranger, vous allez bien? Oh là, gros écho. Oh là, c'est bon. Bonne journée, monsieur. Hein. Ok, j'en ai vu assez. Ah là 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 là. Allons voir quelqu'un d'un peu plus posé, hein, parce que là, c'est incroyable. Hein, parce qu'il se passe les amis. Oh là là, ok, il y a des gros dealers ici. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien, monsieur? Ça va? Oui, et vous?
Ah bah ça va très bien, monsieur, je vous remercie. Et dites voir, je viens d'arriver en ville, et genre, je suis quelqu'un de pas méchant, mais je cherche un petit peu à me faire des petits potos, tu vois. Savoir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant à faire, tout ça. Si tu veux, je te passe mon identité. Quand je veux faire des trucs, je t'appelle. Allez, y a pas de problème. Et ben, ma carte. Allez, on se passe notre identité, et comme ça, si un jour vous avez besoin d'un babysitter ou quoi que ce soit, vous me faites signe. Okay. Et comment est-ce que je vous ajoute? Le pauvre petit bébé. Vous faites votre muscle tab et vous allez chercher Rachid Bonheur. Ok, Rachid Bonheur, je vous dans ajoute tout de suite. Citoyen, mais bientôt je vais me mettre cuisinier. Hop, ajoutez un ami. Et voilà mon petit Rachid, je vous ai ajouté en ami, c'est fort aimable ça. J'espère avoir l'occasion de vous recroiser. Hein. Moi aussi. Allez, passez une bonne journée Rachid. Hein. Et appelez-moi, hein, je vous dis si vous avez besoin de babysitting. Ok. Au revoir. Il était trop mignon. Vous voyez, Gary Smalt, j'aime trop pour ça en fait, pour les petites rencontres incroyables qu'on peut faire avec des petits gens comme ça là, tout mignon. Ok les amis, on va se balader un petit peu plus après avoir fait la super connaissance de Rachid. Mais le problème c'est qu'il avait un micro qui était un peu compliqué, donc je me voyais mal faire une petite action avec lui ou simplement découvrir la ville. Excusez-moi monsieur. Oh là là, il a failli m'écraser, en plus il s'arrête pas. En attendant, ça annonce beaucoup d'épisodes, ça fait super plaisir, j'espère qu'il y aura plein de choses qui vont se passer sur ce serveur. Que vraiment, on m'en a dit que du bien, et pour le moment, bah c'est un RP très fun, très drôle, comme j'apprécie. En attendant, on a 7300 balles, ben on pourrait aller à la banque, tenez, on va aller essayer de voir si on peut pas déposer notre argent, et puis par la même occasion, essayer de se faire des contacts, parce que j'ai vu que le métier de banquier était vraiment exceptionnel sur le serveur pour le coup. Et ça, je suis très très curieux de tester dans un autre épisode. Vous n'hésitez pas aussi à me dire hein, si ça vous tente justement. Ok, on va essayer, vite. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Let's go. Ok, très chelou aussi. Excusez-moi, monsieur. Putain, mais il passe que avec sa manière, j'arrive pas à le choper. Ok, je pense qu'il va arriver là, on va se mettre en plein milieu de la route. Et on va l'attendre. Voilà, regardez, comme prévu. Excusez-moi, monsieur. Il veut pas s'arrêter, hein. Je vais l'avoir un jour ou l'autre. Attendez, il revient. Ouais, il revient. Allez, on va s'accroupir. Attendez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Un moment ou un autre, on va réussir à l'avoir et à l'avoir en tant qu'ami. Ok, il y a une petite bagnole là-bas, on va essayer d'aller voir. Non, ça aurait peut-être été un futur ami. Vous pouvez me soigner. Ah non, il est de retour. Ah non, il est de retour. Qu'est-ce que ça? Ah là 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 là, c'est encore compliqué. Hein. Excusez-moi, messieurs, je cherche juste quelqu'un qui a quelques secondes à m'accorder pour être un ami. Non, monsieur, vous êtes trop bizarre. Madame, excusez-moi, vous êtes trop bizarre. Oh, mais ça serait pas mon petit Rachid. Si, c'est Rachid, ça. Non, c'est pas ça, je peux avoir à manger. Dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. T'en montres le colis. Parle mieux à Rachid, parle mieux à Rachid. Elle est tombée par terre, tu te fous de ma gueule. Là tu m'as redonné. Non, elle est pas tombée. Parle mieux à Rachid, sinon je te claque la nuque, toi. J'ai compris, parle mieux à Rachid. Tu veux que je te reviole? Non, c'est bon, surtout pas ça. Parle bien à Rachid, là. Ta gueule alors. Ouais. C'est lui avant de parler, avant de faire. Je mets mes citoyens, je lui pète sa face. Ouais, t'as raison, Rachid. T'as raison, montre-lui. Parle bien. C'est dégueulasse, elles sont même pas cuites. Alors, toi, vas-y, écoute le mur, je te viole, vas-y. Allez. Après, on n'en parle plus, hein. Fais ça une bonne fois pour toutes et puis c'est bon. Hein. Par contre, là, c'est bizarre, hein, derrière. Tu m'as donné un colis, mais t'as pas payé, quoi. Le médecin là, Antoine Vincent, je te laisse allez, une minute pour lui rendre l'argent que t'as volé, sinon je te banne. C'est radical au moins. En tout cas, beau chapeau monsieur, hein. Beau chapeau hein. Ça doit être lourd à porter ça quand même hein. Ouais, c'est vrai que c'est un peu lourd. Ouais, je pense. Je pèse dans le game, moi aussi je suis lourd. Allez, bonjour à vous. Bon, c'était radical hein, cette petite intervention quand même. C'est pas grave, tu vas vite te les rembourser, tire pas la gueule. Tire pas la gueule, tu vas vite te les rembourser. Bon, par contre, Rachid, l'hygiène, elle laisse à désirer quand même hein. C'est pas fou là hein, les pizzas elles traînent par terre et tout. Ah bah c'est chaud hein. J'ai quelque chose à te proposer, Rachid. Vas-y. Soit on devient amis, soit je balance au flic que tu fous des pizzas partout au sol et que tu les vends aux clients. Soit tu te tailles, soit je mets mes citoyens, je te pète. Mais non, Rachid, tu me ferais pas ça, on s'est ajouté en ami il y a même pas quelques minutes. Je vais me balancer au flic. Quand t'étais qu'un fermier. On s'est mis amis. Mais je vais pas le faire, Rachid. J'étais citoyen. Ah, t'étais citoyen, pardon, tant pour moi. Toi, t'arrêtes, c'est pas ton colis. Je vais pas te balancer, Rachid. Moi, je veux juste un ami, c'est tout ce que je veux, Rachid. Je suis sûr qu'on pourrait vivre des belles aventures ensemble. Alors, Rachid, on conclut cet accord, tu deviens mon ami, on vit des super aventures ensemble et on se fera plein d'argent ensemble. On est déjà amis. C'est vrai, Rachid. Donc, c'est une victoire pour moi, ça veut dire que j'ai enfin un ami dans cette ville. Ouais. Oh, t'es mignon, Rachid. Je suis pas mignon avant que je te mette une baltée. Là, je suis beaucoup intimidé, là, Rachid. Vraiment, je vais te calmer un peu. Je vais te donner un petit peu d'argent pour nouer notre amitié entre nous. Elle sera encore plus solide. Je suis pas pauvre. Eh ben, alors donne de l'argent, Rachid, à un ami, s'il te plaît. C'était pas pauvre. Je pensais que ça marcherait.
psychologie inversée, je pensais que ça marcherait du coup. Mais... Bon, je pense que le petit Rachid a une absence mentale. Bon, c'était un plaisir en tout cas, Rachid. J'espère te recroiser dans cette ville. Hein. Prends soin de toi, hein, Rachid. Hein. Évite de mettre les pizzas par terre. Oh là là, elles sont tombées. Je vais appeler les flics. Bon, écoutez, les amis, moi je suis très content. En tout cas, on s'est fait un ami. Le petit Rachid s'est acté. Franchement, c'était une belle dinguerie quand même, cette première découverte. J'espère que pour la suite, ça annonce du lourd. Prenez soin de vous, en tout cas. J'ai hâte de l'épisode 2. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Pour moi, elle était franchement incroyable. On a fait trop de découvertes, trop bizarres, mais à la fois trop motivantes pour la suite. Allez, tchuss tout le monde.